Messager de Dieu. Bienvenue à chacun, à tous, dans cette église Saint-Sixte II. Nous allons célébrer la messe de la Nativité, la messe de la naissance de notre Sauveur. Nous pouvons faire sur nous le signe de la croix de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, et sur la terre.
établis sa dignité. Fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu. » Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés,
s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré » Ou bien encore « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, c'est par lui que tout homme est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté de Dieu, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme le Fils unique plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, il est donc venu ce temps de Noël auquel nous nous préparions depuis
quasiment un mois à travers ce temps de l'Avent. Et voici donc que nous célébrons la dernière messe de la Nativité. Il y a en effet quatre messes. La messe de la veille au soir où nous pouvons entendre plus particulièrement la généalogie de Jésus. Il y a la messe de la nuit où nous entendons les anges qui vont dire aux bergers « Allez à Bethléem, vous trouverez un enfant emmailloté dans une mangeoire ». Il y a la messe de l'aurore avec ces fameux bergers qui vont à Bethléem et qui trouvent l'enfant dans la mangeoire comme l'ont annoncé les anges. Et puis il y a la messe du jour que nous sommes en train de vivre à travers ce beau prologue de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Alors, que célèbre-t-on à Noël? Bien entendu, la naissance d'un petit enfant. Bien entendu, la naissance de Dieu fait homme, parce que nous le savons. Mais pour beaucoup de gens, c'est peut-être l'occasion de nous rappeler, pour beaucoup d'entre nous, ce que cette incarnation fait pour notre humanité. Le Sauveur s'est incarné dans notre chair, il est devenu homme au milieu des hommes, et en Jésus, il s'est fait homme. Certains pourront dire que c'est une folie, que c'est même impossible. Je me souviens d'une amie croyante d'une autre religion qui me disait « Mais Hervé, est-ce que tu t'imagines? Ce n'est pas possible de savoir que Dieu vient dans notre monde. » Eh bien, le miracle de la foi chrétienne, c'est de savoir que Dieu vient dans notre monde, que de savoir que Dieu prend notre humanité, que de savoir que Dieu vient s'incarner, que de savoir que Dieu a les mêmes caractéristiques que nous. Je le disais hier soir dans l'homélie à la messe de minuit, je ne sais pas si chaque matin lorsque vous vous levez, peut-être certains vous paraphrasez un ancien président de la République lorsqu'il se regarde dans un miroir ou lorsqu'il se rase, ou les hommes. Et les dames, lorsque vous allez dans le miroir aussi, est-ce que le matin vous vous dites « Je ressemble à Dieu, je suis à l'image de Dieu ». Je ne pense pas que vous le fassiez. Avouer, moi non plus. Et pourtant, tous les matins, nous pourrions rendre grâce de l'incarnation de notre Seigneur. Tous les matins, nous pourrions rendre grâce de ce que nous voyons lorsque nous regardons dans le miroir. Je suis à l'image de Dieu. Dans le récit de la Nativité, nous sommes invités à nous rappeler que le divin et l'humain prennent corps, que le divin et l'humain se rencontrent, que le divin et l'humain communiquent et que cette théophanie, elle a lieu chaque jour. Que cette théophanie, elle a lieu chaque fois que nous nous apercevons, que nous nous rappelons que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et lorsque le prêtre verse la petite goutte d'eau dans le vin, il dit « Puissions-nous être unis à la divinité de celui qu'a pris notre humanité. À chaque Eucharistie, nous le commémorons. » Dans le récit de la Nativité, les anges descendent parmi les hommes pour annoncer la naissance et les bergers repartent en chantant comme les anges. C'est ce que nous avons eu à la messe de la veille au soir, à la messe de la nuit, à la messe de l'aurore. En se faisant un petit enfant, Dieu met à nu sa vulnérabilité. En se faisant comme l'un de nous, Dieu se donne. En se faisant homme parmi les hommes, Dieu se donne à connaître. Nous vivons aujourd'hui dans un monde, nous le savons, trop agité. Et le mystère de l'incarnation, avec sa simplicité, avec le cœur de Dieu, avec notre foi, peut nous troubler. Parce que nous sommes dans un monde qui a besoin, j'allais dire presque, de raisonnement scientifique, quoi que nous voyons actuellement à travers l'actualité, ce que la science est parfois vraiment en difficulté, en opposition même. Pourtant, en regardant avec les yeux de Dieu, nous voyons véritablement que ce petit enfant, avec la fragilité d'un petit enfant, que ce petit enfant dont le cœur bat, c'est celui de Dieu.
que ce petit enfant entouré de Marie et de Joseph dans la crèche, dont leurs cœurs battent au diapason de celui de Dieu, veille pour qu'il puisse devenir grand, qu'il puisse grandir aussi en sagesse. Que les personnages de la crèche, qui sont en quelque sorte ces bergers, qui sont aussi chacun et chacune d'entre nous, nous venons admirer, nous venons adorer en toute simplicité le roi du monde, notre Créateur. Et nous qui sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes invités, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux, comme nous le rappelle cet évangile de Saint Jean, nous sommes invités à nous rappeler qu'en plus de toutes les autres créatures, nous avons reçu le baptême. Et parce que nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, à l'image de ce petit enfant. Aujourd'hui, demandons justement, face à cette suractivité, face à cette mondialisation, face à ce consumérisme, demandons au Seigneur de nous faire prendre une pause familiale, une pause de paix, une pause d'espérance, une pause où nous serons et où nous pourrons déposer en toute simplicité notre âme devant le Seigneur pour être plus que jamais aimant et paisible. Demandons à Dieu qui s'est incarné dans notre chair que nous puissions être à son image, que nous puissions véritablement devenir enfants de Dieu, que nous puissions l'être complètement par notre vie de chrétien. Amen. En nous mettant debout, nous allons professer notre foi à travers le symbole de Nicée-Constantinople. Nous marquerons un temps d'arrêt par la phrase « Par l'Esprit Saint et la vie chère de la Vierge Marie et ses pétons ». Pour celles et ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, je vous inviterai à vous mettre à genoux ou à vous incliner en signe de respect pour cette incarnation qui a été faite dans cette nuit de Noël. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. De même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et ses pétons. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Dieu de lumière et de paix, dans nos
te confions tous les chrétiens de toute confession. Donne l'unité à ton Église. Jésus, prince de la paix, nous te prions pour les peuples déplacés à cause de la guerre, pour les migrants et ceux qui n'ont ni toi ni bagage. Dieu de gloire, nous t'adorons par Jésus notre Sauveur. Par lui, viens en aide à tous ceux qui espèrent une vie meilleure, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offertoire et de la quête. La quête est faite pour les séminaires. Nous avons 18 séminaristes dans le diocèse de Montpellier qui sont en formation, soit à Toulouse, soit à Montpellier, soit à Rome, dont Aristide qui est en deuxième année. Merci à chacun et chacune d'entre vous de votre générosité. Regardez, il était le Dieu, regardez.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la Thank you.
offrant, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, plus particulièrement de M. Joseph Bouvier et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Étangs, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, plus particulièrement Saint Sixte II, tous ceux qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Alléluia, avec lui. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
pour le mouvement de communion, il n'y en aura pas justement. Nous avons pris l'habitude depuis le confinement de ne pas se déplacer. Je vous invite à rester à votre place. Si vous désirez communier, de bien tendre les bras devant. Merci les personnes qui ne communient pas ou qui ne peuvent pas communier. De vous asseoir sera plus simple pour nous, Aristide et moi, pour vous donner la communion. Merci bien. Thank you.
Sur toute l'étendue de la terre, Seigneur, nous avons vu ta gloire. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde en naissant aujourd'hui nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques informations simplement rapides pour vous dire que le Père Alain, Marie da Silva, le Père Paul Canaté, le diacre Bernard Gérédé, les plusieurs associations, Aristide et moi-même, nous vous souhaitons encore une nouvelle fois un joyeux Noël et une bonne année 2021, espérant que l'année 2021 sera meilleure que l'année 2020. Aussi, nous vous souhaitons, bien entendu, de vous retrouver en famille, de prendre soin de vous, de faire attention. Merci en sortant de garder les gestes de distanciation autant que possible. À la sortie, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'acheter des cartes de vœux qui ont été faites par les catéchistes, plus particulièrement à travers le concours des enfants du catéchisme pour un concours de crèche. Et donc les crèches sont mises sur cette carte de vœux, elles sont au prix de 1,50€ tout simplement. Si vous voulez aussi participer à la vie paroissiale, vous pouvez faire votre bol à travers un panier aussi qui vous sera tendu à la sortie de cette messe. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le ministère de la Nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il vous ouvre, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple. Qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Et nous prenons ensemble le dernier chant avant de nous séparer. Les enfants.